c'est ça? Ouais. Ou sous première avenue, sous 700 mètres. 700 mètres. Entre première avenue et 5e avenue, mais le, les fins de travail sur 4e avenue, il était jugé bon, il faut prolonger le travail pour nous vers 5e avenue. Réellement, il y a un problème, nous sommes trouvés, nous sommes obligés de couper la route là dans la zone 4e avenue et nous allons couper encore dans la zone 5e avenue pour que l'eau qui est dans la zone ça, même le pas la pluie, la zone est toujours humide, les mouillées. Pour éviter ça, pour que maintenant nous ayons une route qui sèche, qui n'a pas de l'eau sous lui. Nous pratiquement à 70% fini par ce travail. Mais là, nous avons un viaduc Kafoua, j'aime te dire, viaduc Bizoton. Ça, il y a 6 semaines que nous avons là, nous avons de côté un pont sous lui. Ça veut dire que nous avons pu camper là. Mais nous, ouais, qu'on y a un travail sérieux qui fait dans ces semaines. Ça veut dire que travail à Paris pour qu'il y ait un béton coulé sous lui. D'ici demain, d'après information que l'ingénieur a le béton a coulé. Et je promets fin 2018, il faut avoir du plan fonctionnel. Ça veut dire qu'il faut que les gens qui sont à fou, qu'on y a alors revenu dans le niveau Bizoton. On aime dire les gens qui sont dans le Grand Sud, qui sont dans le Sud-Est, qui sont dans Nip qui sont dans le sud, qui sont dans le Grandas, l'orive dans le niveau Bizoton, ou pas bien problème pour capable de jamber la zone ça encore. Mais ça qui est bien important, je dis, il faut me dire tout le monde, jamais même te dire, ce n'est pas 7 février Napton pour qu'il y ait un dérapé. Le ministre, ça a gagné 2 semaines. Depuis que les 10 mois visite que l'État a fait, ils ont tiré à propos de moi. Hier, nous ensemble, parlons de problèmes ravines qui jambent zone métropolitaine. Non? Nous parlons de ravines qui sortent depuis Mariani pour arriver juste dans la zone bon repos. Ravines, ça y est, l'équipement commence à entrer. Nous croyons qu'en 20 fêtes, aujourd'hui, nous 17, en 20, 24 décembre, nous avons une quantité d'équipement qui est mobilisée sur le curage dans la zone métropolitaine. Non? Nous pouvons connaître sur qui ravine exactement que priorité pour accorder. Mais en fait, techniciens au niveau travaux publics ont commencé à mobiliser en 24 décembre pour être capable de mettre équipement pour faire curage dans la ravine. Parce que ce n'est pas la saison là pour arriver, c'est la saison pour notre tête chargée. Parce qu'automatiquement, la saison cyclonique qui finit 30 novembre, il faut nous mettre nous à l'œuvre pour nous commencer à préparer pour la saison qui vient. Mais l'ouest là, de pile travail qui commence à faire. Dans la zone quoi des bouquets, nous connaissons Kafou Marassa, ministre ça, il y a un travail qui a fait. Petit place Kazou, il y a un travail qui a fait. Moi, je connais que dans la commune d'Elma, il y a un pile travail qui a fait, un pile caniveau qui a mis, un pile asphalte qui a mis. Dans la zone d'Ouya, moi, je connais que d'ici ce semaine, la chaussée, ça, il y a une réparation qui n'est pas faite sur lui. En fait, l'ouest là, nous avons un pile chantier qui dérape là. Mais, je nous toujours dis, si nous disons qu'on a dérapé 7 février 2018, ce n'est pas 7 février 2018 dans Napton. Nous dérapé là. Même j'en nous avons dit dans le Kafoujof, jeudi dimanche. Moi, dans l'ouest, ça, pour que les gens dans Port-au-Prince connaissent que Jean Caravan en province, ils ont même tout le droit. Les gens dans la Cité Soleil, moi, je connais la privée sur nous là, parce que moi, je connais nous, tout canal, nous, tout bouché net, nous connaissons ça. Nous connaissons toute ravine sèche qui descend dans la cité. Il y a 5 ravines sèches qui descendent, nous, tout bouché. Le ministre là, il y a passé instruction, il y a un travail qui va commencer à faire, je vous dis là. Nous avons presque arrivé dans la fête là, mais avant la fête là, nous avons un équipement commencé à mobiliser ce port-au-prince pour le travail commencer à faire.